Il y a une fille dans mon arbre. De Nathalie Raffal. Qu'est-ce que cette fille fait dans mon arbre? Je n'ai pas dormi de la nuit. Je le sais parce que j'ai gardé le réveil toutes les 5 minutes. Et toutes les 5 minutes, entre 9h du soir et 5h du matin, ça fait un sacré paquet de minutes. À 5h, le soleil prévient qu'il va se lever en envoyant son fidèle éclaireur. L'aube, mon moment préféré. Juste avant que les choses ne commencent. Quand tout peut encore basculer d'un côté ou de l'autre, que les jeux ne sont pas encore faits, les décisions laissées en suspens. J'aime me lever à l'aube. C'est l'instant choisi par l'invisible pour laisser sa place au visible. À l'aube, l'invisible baisse sa garde. Et si on est bien entraîné, comme moi, on parvient à frôler ses mystères, percer ses secrets. Bref, j'ai essayé de percevoir l'invisible quand je l'ai aperçue, elle. Bien visible avec sa robe rouge, son écharpe jaune et son énorme sac en bandoulière, installé dans mon arbre. Forcément, elle ne pouvait pas savoir que c'était mon arbre. Pour tout le monde, c'est juste le grand chêne au fond du pré de mon grand-père. Mais quand même, on n'envahit pas un arbre comme ça, sans prévenir. Je repose donc la question, qu'est-ce que cette fille fait dans mon arbre? Je m'installe. Comment ça? Je refais ma vie, quoi. Dans mon arbre. Ça te dérange? Ben, j'ai pas l'habitude de trouver quelqu'un dans mon arbre, surtout une fille. T'aimes pas les filles? Si, mais... Je gênerai pas. C'est là que je me réfugie. Ben maintenant, on sera deux. Quand je me réfugie, j'aime bien être seule. T'as pas de chez toi? Si. Alors? Je suis partie. Tes parents vont pas s'inquiéter? Non. Les miens non plus, remarque. Hé, j'ai emporté le sourire de ma mère. Il est dans mon sac. Tu veux le voir? C'est cool d'avoir le sourire de sa mère dans son sac. Il n'en a plus pour longtemps. Il pâlit dangereusement et mon rouge est presque terminé. Peut-être que ma tata Gabrielle en a dans son armoire secrète.